méditation est une technique et son fondement est une pratique spirituelle pour la connaissance de soi, pour savoir qui je suis réellement. Est-ce que je suis ce corps physique? Est-ce que je suis le mental? Est-ce que je suis ces émotions qui me traversent? C'est une quête pour laquelle le pratiquant de la méditation est en quête de ce qui est permanent. Le corps change, évolue, nos pensées changent, nos émotions également. Mais dans tout cela, il y a quelque chose qui reste inchangé, c'est notre âme. Et la quête du méditant, c'est de nettoyer toutes les choses qui peuvent faire obstacle à la rencontre avec son âme. La pratique de la méditation est une pratique hautement spirituelle. Spirituelle dans le sens de ouvrir son champ de conscience. Certains l'appellent être dans un état de modification, une sorte de transcendance. Transcendance dans le sens de dépasser l'état de conscience normal pour accéder à un état de conscience au-delà du champ de conscience normal de tous les jours. La méditation de nos jours, elle est utilisée pour gérer plein de problématiques que l'on peut avoir, comme mieux gérer sa colère, mieux gérer ses émotions en général. Mais en fait, ce sont de petites choses. La méditation, comme je disais tantôt, est une rencontre avec soi pour libérer toutes les anciennes mémoire, les anciennes choses qui nous alourdissent dans cette existence terrestre. Et pour savoir qui je suis, principalement, et pour communier avec l'être que je suis et me libérer des contingences terrestres. La méditation est une technique qui permet la connaissance de soi. Les anciennes traditions, comme les traditions grecques, disaient « connais-toi toi-même ». Plus je me connais, plus je connais tout ce qui est autour de moi. Et donc le travail n'est pas d'aller vers l'extérieur, mais d'aller plutôt vers l'intérieur. Et donc c'est un travail d'intériorité que j'invite toute personne à pratiquer la méditation sous la guidance de quelqu'un d'expérimenté. Voilà. Et merci.